Il se transforme en homme et s'aperçoit que finalement la vie n'est pas si facile. J'ai envie de te dire, qui t'a envoyé, comme dirait l'autre. Il a dû se dire, ouais, c'est bon, je suis un homme, à moi tous les privilèges patriarcal. Dès qu'il a changé de sexe, c'était pas comme, comme on m'avait dit finalement. Non, t'as menti. Hein. Donc bref, c'est le sujet de la review d'aujourd'hui. Donc je te partage la petite vidéo et voilà, il a changé de sexe. Et là, il dit, ouais, mais c'est chaud. Voilà. Voilà. Nobody told me how lonely being a man is. I had closer friendships with random women I met in the bathroom before I transitioned at clubs. Ah, tonton, c'est jamais déjà. T'es déjà dépassé juste par rapport à ça. C'est déjà, t'as envie de chialer juste par rapport à ça. Parce que tu peux pas te faire des amis dans les toilettes. C'est vrai que les filles, elles vont toutes aux toilettes, toutes ensemble. J'ai jamais compris le principe. Genre, je vais aux toilettes. Ok, moi aussi. Ah, d'accord, elles vont toutes en groupe comme ça aux toilettes. Non, nous aux toilettes, non, on fait pas d'amis aux toilettes. Déjà, on parle pas aux toilettes. T'es en train d'uriner. Déjà, t'as pas envie de parler avec un gars. Hey, ça va. Déjà, si tu me dis non, ça va pas. Pourquoi tu me parles en fait? Chacun est occupé à faire ce qu'il a à faire, tu vois. Enfin, je comprends pas trop. Hein. Si déjà, à ce niveau-là, juste pour une histoire de ouais, tu te fais pas d'amis quand tu vas aux toilettes, toi, ta journée, comme disent les Américains, ton voyage là, ça va être dur. Ça va être dur. Ah ouais, là, si déjà ça, déjà t'es débordé, t'es déjà en train de chialer parce que tu peux pas faire d'amis dans les toilettes, comme à l'époque quand t'étais une fille, ça va être dur, hein. Vas-y, je laisse finir. How open women are than I had. Non, open women are. Les filles sont ouvertes. Non, mais... Non, on est juste différents. C'est tout. C'est juste que... On est différents. Voilà. Tu voulais être un homme, ben, faut ta... Tu sais, c'est comme si tu vas dans un pays, après tu veux pas t'adapter au pays. Tu sais, ouais, ils sont chelous. Bah non, ils sont pas chelous. C'est juste que c'est la culture est différente, tu t'adaptes, tu vois. In my 8 years of transitioning, because women are just so much more vulnerable and deep than men. Vulnerable and deep. Ah, je sais pas, c'est deep. Pourquoi? J'ai pas trop compris. Ça, c'est le truc aussi qui revient. Ouais, les gars sont pas vulnérables, mais en fait, on est des hommes. En fait, tu t'es transformé en homme, mais t'es pas prêt en fait. Hé, mon gars, tu vois, c'est parce qu'il a fait la transition, il a pas fait le collège et le lycée. S'il avait fait le collège et le lycée, il saurait que non, en tant qu'homme, t'as pas été vulnérable. T'as pas été vulnérable. C'est parce que t'as pas fait le lycée et le collège. Là, t'es en train de chialer, mais il a même pas fait, les gars, il a même pas fait le collège et le lycée. Mais gars, mais si jamais t'es vulnérable au lycée, tu te fais défoncer. Mais tu te fais défoncer toute ta life. Après, le truc d'être profond, les femmes sont profondes, ah bon, je savais pas. Honnêtement, à chaque fois que j'ai entendu des conversations entre filles, j'ai pas vu quelle profondeur il y avait. Enfin, ça c'est peut-être moi. Tu me diras en commentaire, alors qu'on va dire, je suis un gamin. Entre parler de je sais pas, de ce que la dernière star elle a eu, je vois pas qu'est-ce qui est profond. Voilà. Parler maquillage et mode, je sais pas. Mais bon, voilà, écoute, tu vois, si tu lances une petite coordonnée, voilà, hein. Tu voulais en parler. Moi, je vois pas qu'est-ce qui est si profond dans, quand les filles parlent entre elles. Je sais pas, à part dire où les hommes sont ceci, sont cela, je vois pas trop. To have known, and I think a lot of trans men feel this, is we knew what death felt like before we transitioned. We knew what it felt like to like have people want to hug us. Ah, mais en vérité, en fait, t'es encore un homme. Enfin, t'es encore une femme, là. Tu dis des trucs. En fait, tu veux ressentir le truc. Tu voudrais retrouver les mêmes sensations de quand t'étais une femme, en fait. T'es en train de te plaindre d'un truc que les hommes ne se plaignent pas, parce qu'en fait, nous, on n'est pas attirés par ça. Tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, oui, je me sentais bien quand quelqu'un voulait me prendre dans ses bras. Enfin, ouais, mais ça, c'est les femmes qui veulent qu'on leur prenne dans les bras. Moi, il y a un gars qui est... Déjà, mes potes, déjà, on se check comme ça. Ça va, ouais, ça va, mais... Voilà, ça va. Les trucs de hug, déjà, moi, j'ai pris un peu de temps quand j'étais aux States, que tu connais, les States, les gars, ils aiment bien faire des hugs. Et là, au début, j'ai dit, hey, tu fais quoi? Tu vois, c'est la culture, hein, d'accord. Culture, s'adapte. Mais là, lui, il n'est pas prêt.
Je peux te dire si jamais ça le chagrine. And have people want to talk to us and have a community. And then you transition and you're just a guy walking down the street that people cross the street so that they're not near you. Yeah! Welcome! Welcome dans le monde des hommes! Welcome! Les gens viennent pas te parler! Non? Tu crois que les filles vont venir te parler? C'est pas le Trump qui va venir te parler, pourquoi il va venir te parler? Welcome! Que des fois tu marches dans la rue, les meufs elles ont peur. Welcome dans le monde! Dans le monde des hommes! Que genre une meuf elle peut dire ouais tu m'as violé alors que en fait il s'est rien passé? Welcome dans le monde des hommes! Ben oui! Et que, on est seul? Oui, welcome! On est obligé d'être compétitif? Sinon personne ne nous respecte? Welcome! Oui, c'est pour ça que tu ne peux pas être vulnérable en tant qu'homme. Hein? Parce qu'en tant qu'homme, si tu es vulnérable, ben, tout le monde te marche dessus. Ça n'existe pas. Hein? Welcome! C'est dur, je sais, c'est dur. C'est dur. Mais tu vas t'habituer. Hein, de toute façon, vous avez dit... c'est pas vous qui avez dit la vie des femmes, c'est plus difficile? Hein, la vie des femmes, c'est plus difficile que celle des hommes. J'ai entendu un gars dire ça un jour. Je me suis dit, mais vraiment, mais dans quel monde on vit, quoi? Alors, je dis pas que la vie des femmes n'est pas difficile. Mais je dis, mais ça doit comparer. Enfin, un homme doit toujours performer. Il n'a pas le choix, en fait. Alors qu'une femme, elle, c'est pas une obligation. Elle peut le faire si elle veut. Mais c'est pas une obligation. And friendships are so much harder to build. And people are colder. And what's hard is none of this invalidates how real and raw women and people who are in marginalized groups feel about cis white men. All of that's valid. But I also now understand why the suicide rate is so much higher in men. Welcome! Welcome! Tout le monde dans le monde des hommes. Dis-leur, prêche la bonne parole, dis-leur à tes anciennes copines, dis-leur, parce qu'apparemment on est le mal incarné, les problèmes des hommes c'est nous, leurs problèmes c'est nous, tout est nous, elles, la vie est dure pour elles, le patriarcal, elles sont écrasées. D'ailleurs là je vois qu'ils profitent, tu as pu constater qu'ils profitent aussi comme moi, qu'ils profitent énormément des avantages patriarcales. J'attends toujours les avantages patriarcales moi, j'attends toujours. Ça ne vient pas. This shit is lonely. And I'm an emotionally mature man. I know how to build friendships, and it is still really, really hard. Try to think about how you can, in your small little community where you feel safe, can reach out to the men in your life and just help them feel maybe seen for a moment. Or do little conversations to help their emotional maturity so that they can reach out to people and have deeper guy friendship. Bref, bon après là c'est vrai qu'il soulève un point qui est important sur la capacité de se faire des amis. C'est pas faux, mais moi je dirais que les hommes ils prennent plus de temps à... Quand ils ont une amitié, c'est une vraie amitié, donc forcément c'est un peu plus... Je pense que ça prend un peu plus de temps. Après, je peux parler pour tous les hommes, mais je pense que ce serait ça qui ferait la différence, alors que les filles, elles sont beaucoup plus friendly. En fait, les filles entre elles, enfin, je me rappelle, une de mes ex, elle voit une fille qui est bien habillée dans la rue, elle dit « Oh, t'es trop bien habillée !» Elles ne se connaissent pas, les meufs. Ouais. « T'es trop bien habillée !»« Oh, merci !»« Oh, là, là, où est-ce que t'as acheté ?» Oh, ça y est, c'est des copines. Tu vois, elles sont capables d'aller boire un verre, etc. Boum, boum, boum. Enfin, donc, c'est un game qui est complètement différent. On est complètement différents, c'est pas la même chose, tu vois. Nous, en tant qu'hommes, on se méfie beaucoup, on fait attention, parce que tu peux pas te permettre d'être vulnérable avec n'importe qui. Bref, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, mais voilà. Évidemment, en tant qu'homme, la vie est difficile, évidemment, on doit performer. Ben, je suis content qu'il y ait quelqu'un qui ait fait la transition, comme ça, il peut voir les deux côtés et il peut enfin prêcher la bonne parole. Même si nous, en vérité, on s'en bat les reins, enfin, c'est notre vie, on a l'habitude, on doit performer, on n'est pas en train de chialer, tu vois. Mais quand en plus derrière on vient, on met tous les mots sur toi, comme si oui, tous nos problèmes c'est vous, c'est toi. À un moment donné les gars, ça va, déjà on a notre propre fardeau à porter, enfin gardez le vôtre quoi.
peut-être qu'il faut se remettre en question pour vous. Voilà, chacun ses trucs, hein, on s'organise quoi. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Si tu veux aller plus loin avec moi, n'oublie pas que tu as mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Ok ? Avant de créer l'arnaque, regarde quand même. Et deuxième chose, c'est Zion, comment faire partie des 10%. Okay, c'est mon groupe des 10% dedans, comment investir, comment créer ton business en ligne, comment générer au minimum 5K par mois. Tu as tout ce qu'il faut dedans. Ok, check dans la description, tout est expliqué. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Je vais être ton camp.